Monsieur l'administrateur, chers collègues, chers amis, comme M. Glowinski l'indiquait si gentiment, mes recherches ont souvent touché à la génétique humaine et comme tous les chercheurs dans ce domaine, je suis très impressionné par le séquençage récent de notre patrimoine génétique, surtout aujourd'hui qui marque exactement 50 ans depuis la découverte de la double hélice par Watson et Crick. Les 2,9 milliards de paires de bases sont maintenant largement déchiffrées et ont révélé quelque 31 000 gènes. On peut concevoir cette information comme la vaste partition d'un orchestre de 31 000 instruments qui joue sans chef ni musicien. Chaque instrument se met à jouer lorsqu'il reçoit un signal au moment approprié venu d'un autre instrument. Quand les instruments jouent ainsi en harmonie, une biologie joyeuse est perçue. Les dissonances, par contre, sont à l'origine de troubles pathologiques. Comme pour cet orchestre virtuel, la vie à tous les niveaux dépend de la réception de signaux et de leur transduction en action physiologique. Les biologistes n'ont pas encore compris dans tous les détails les mécanismes de cette transduction, mais plusieurs principes clés ont été dégagés. Ce champ de savoir sera le sujet de la chaire internationale que j'ai l'honneur d'occuper cette année. Les signaux biologiques m'ont fasciné depuis que j'ai commencé ma thèse à Berkeley, en Californie, dans le laboratoire de Howard Schachman. Pendant mes recherches de thèse, Jean-Pierre Changeux est arrivé à notre laboratoire pour un stage postdoctoral après avoir terminé sa thèse sous la direction de Jacques Monod. Dans ses bagages, il transportait le manuscrit d'une théorie de la transduction du signal, appelée par la suite modèle Monod-Wyman-Changeux ou simplement modèle MWC. Ce modèle m'a tout de suite captivé. Et les discussions avec Jean-Pierre Changeux m'ont initié à une nouvelle manière d'aborder les problèmes scientifiques en s'appuyant explicitement sur des modèles théoriques a priori dans une tradition cartésienne bien française. Cette approche des problèmes scientifiques, développée à la perfection par l'école de François Jacob et de Jacques Monod, m'attirait fortement, surtout par rapport à la formation scrupuleusement empiriste dispensée à Berkeley. Lors d'un passage en Californie, Jacques Monod a rendu visite à notre laboratoire. Il a renforcé mon désir de poursuivre mes recherches en France et grâce à son invitation de faire un stage postdoctoral dans son laboratoire, j'ai pu transformer ce souhait en réalité en entreprenant mon premier voyage en Europe. Quelques jours seulement après mon arrivée à Paris, en automne 1967, Jacques Monod m'a invité à sa leçon inaugurale au Collège de France. Je ne sais pas si c'était le hasard ou la nécessité. Le jour de la leçon, je suivais difficilement son discours, tant mon français était rudimentaire, mais les souvenirs de la salle comble et enthousiaste restent fixés dans ma mémoire. Bien sûr, jamais je n'aurais imaginé à ce moment qu'un jour j'aurais l'honneur de présenter une leçon inaugurale dans cette illustre institution. Cette boucle qui se referme aujourd'hui est pour moi la source d'une très grande émotion. Je suis très heureux que vous soyez tous venus ce soir pour partager cette occasion avec moi. Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance aux professeurs du Collège de France pour leur confiance et à mes confrères de l'Académie des sciences
et cancer aussi, pour leur approbation. Je voudrais également témoigner toute ma gratitude à Jean-Pierre Changeux, qui m'a sollicité pour cette chaire internationale et a défendu ma candidature. Les contacts noués avec toi, Jean-Pierre, depuis notre rencontre à Berkeley, m'ont beaucoup enrichi sur le plan scientifique, mais aussi sur bien d'autres, et d'abord sur celui de l'amitié. En guise d'introduction à la transduction de biologie, je souhaite expliquer pourquoi l'hémoglobine a pris une place si prédominante dans l'histoire de ce sujet. Ensuite, je retracerai les origines du modèle MWC et je partagerai avec vous mes réflexions sur la portée de ce modèle à d'autres systèmes biologiques. Dans un deuxième temps, je présenterai une application du modèle au récepteur nicotinique qui a sérieusement bouleversé les idées reçues. Et je finirai avec une conclusion générale. Pour présenter l'hémoglobine, il sera bien de commencer à Copenhague, il y a 100 ans, où Christian Bohr, le père du célèbre physicien Niels, étudiait la liaison d'oxygène par l'hémoglobine qui était supposée porter un site spécifique pour l'oxygène. La fixation d'oxygène sur ce site devait suivre une loi mathématique très simple et produire une courbe hyperbolique. Fidèle disciple de cette loi, Bohr et ses collaborateurs hésitaient à accepter d'autres propriétés, mais ils ont dû finalement se rendre à l'évidence que l'hémoglobine se comportait d'une manière hétérodoxe. La courbe n'était pas hyperbolique, mais sigmoïde. J'aimerais illustrer cette différence par un graphique. Vous voyez ici la fraction de site occupée par l'oxygène en fonction de la concentration d'oxygène pour une courbe hyperbolique et pour une courbe sigmoïde. Une telle courbe sigmoïde indiquait que l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène augmentait en fonction de la concentration d'oxygène. En conséquence, il devait exister plusieurs sites de fixation d'oxygène sur chaque molécule d'hémoglobine et une communication, ou plus exactement une coopération, entre les sites devait avoir lieu. En d'autres termes, un premier site occupé par l'oxygène rendait les sites avoisinants plus avides d'oxygène. Ainsi, l'oxygène jouait un double rôle, à la fois l'objet de transport et le signal de la régulation. Sur le plan physiologique, l'avantage d'une courbe sigmoïde est clair. L'oxygène est lié dans les poumons comme des réservoirs qui se remplissent. La quantité relâchée dans les muscles quand les globules rouges y arrivent est beaucoup plus importante pour la courbe sigmoïde. Ceci constitue un avantage considérable. Cependant, à la suite des observations de Christian Bohr et ses collègues, les détails restaient flous. Parce que le nombre de sites pour l'oxygène sur l'hémoglobine n'était pas connu. C'est Gilbert Ader à Cambridge, dans les années 20, qui a donné au problème sa formulation moderne. Il a découvert que l'hémoglobine est composée de 4 sous-unités, toutes capables de lier une molécule d'oxygène. Vous pouvez voir sur ce graphique les étapes de fixation d'oxygène envisagées par Ader. Sur la base de cet découvert, il proposait que la fixation de chacune des 4 molécules d'oxygène change progressivement la structure de l'hémoglobine de telle façon que l'affinité pour l'oxygène indiquée par les 4 constantes augmente, passant de très faible à très forte. Vers 1950, les biochimistes ont découvert que l'hémoglobine n'était pas composée de 4 sous-unités identiques, mais de 2 paires légèrement différentes nommées alpha et bêta. Néanmoins, les notions de changement liées à la fixation d'oxygène restaient très hypothétiques, sans information sur la structure tridimensionnelle de l'hémoglobine, et pour cela, il a fallu attendre les travaux exceptionnels de Max Perutz.
En 1936, Max Perutz a quitté Vienne, sa ville natale, pour préparer une thèse de doctorat à l'université de Cambridge, alors le centre de nouvelles disciplines, la cristallographie par rayon X. Après une première année de formation méthodologique, il a cherché un sujet de thèse. La recherche est toujours un mélange de grands desseins et de petits accidents, et comme pour confirmer cet adage, il a pu profiter d'un heureux hasard. Durant les vacances d'été, il a rendu visite à une cousine vivant à Prague, mariée à Félix Horowitz, un jeune professeur qui l'a convaincu de l'intérêt de l'hémoglobine sur lequel il travaillait, et Max Perutz s'est décidé à travailler sur l'hémoglobine dès son retour en Angleterre. Ce voyage a marqué le point de départ pour Max Perutz d'une aventure qui devient une errance dans le désert. Elle ne dura pas les 40 ans bibliques, mais 25 ans tout de même. Une interruption due à la Deuxième Guerre mondiale n'a pas facilité sa tâche, compliquée notamment par son internement avec d'autres immigrés germanophones, ensuite par sa participation à un projet militaire jamais réalisé de construire des icebergs aplatis destinés à servir de porte-avions. Félix Horowitz, pour sa part, a dû fuir Prague. Il a enseigné en Turquie pendant la guerre et a trouvé ensuite un poste de professeur aux États-Unis. Mais avant de quitter Prague, il a fait une découverte capitale en observant au microscope des petits cristaux de l'hémoglobine en l'absence d'oxygène, ce qu'on appelle désoxyhémoglobine, dans une goutte scellée sous une lamelle. J'ai une photomicrographie de son observation qui est devenue pour moi une image fétiche. Comme vous voyez ici, il a d'abord remarqué des objets géométriques en forme de plaques. Ensuite, il a constaté qu'une bulle d'air avait pénétré sous la lamelle. Il a découvert alors une transformation surprenante. Dans le voisinage de la bulle, il n'y avait plus de cristaux en forme de plaques, mais uniquement des cristaux en forme d'aiguilles. De toute évidence, l'hémoglobine existait sous deux états différents, l'un qui, en l'absence d'oxygène, cristallisait en plaque, l'autre qui, en présence d'oxygène, cristallisait en aiguille. Une autre ligne de recherche dans laquelle je me suis beaucoup investi moi-même a démontré une différence encore plus frappante entre les deux formes d'hémoglobine. Il s'agit de l'hémoglobine qui porte la mutation de l'anémie falciforme. En présence d'oxygène, les globules rouges qui contiennent cette hémoglobine semblent normaux, mais en l'absence d'oxygène, ils subissent une transformation radicale que vous pouvez remarquer, prenant la forme d'une faucille. Ce changement se produit parce que les molécules d'hémoglobine mutées restent libres, comme vous pouvez voir sur cette micrographie électronique. Mais celle de désoxyhémoglobine mutée s'associe en fibres qui déforment les cellules. Nous avons pu démontrer que les fibres ont une structure hélicoïdale composée de 14 brins. Chaque molécule, chaque sphère est une molécule d'hémoglobine. Mes travaux sur les fibres dans les années 80 ont bénéficié de deux années sabbatiques très sympathiques dans le laboratoire de Jean Rosa, comme M. Glowinski l'indiquait, à l'hôpital Henri Mondor, et pour lequel je voudrais le remercier ici. On peut comprendre à la fois les bases structurelles des deux formes cristallines observées par Félix Horowitz et l'origine des deux morphologies des cellules de l'anémie falciforme grâce aux travaux de Max Perutz et de ses collaborateurs réalisés dans les années 60. Ils ont déterminé au niveau atomique les deux structures que vous allez voir, celle de l'oxyhémoglobine et celle de la désoxyhémoglobine. Ces modèles de surface avec les sous-unités bêta devant et alpha derrière sont codés par charge négative en rouge
et charge positive en bleu. Sous l'état désoxygéné, les deux chaînes bêta sont plus écartées que sous l'état oxygéné, ce qui explique, sans entrer dans les détails, les deux formes cristallines et l'absence de fibres pour l'hémoglobine oxygénée dans les globules rouges de l'anémie falciforme. Au cœur de chaque sous-unité se trouve un groupement M qui est le site où l'oxygène se fixe. Vous pouvez voir les uns plus clairement avec une représentation du squelette moléculaire. Les 4 M, 1, 2, 3, 4, sont placés à distance, éliminant ainsi tout contact direct capable d'expliquer les fameuses courbes sigmoïdes. Il fallait donc trouver une autre explication. Une théorie totalement inattendue et très originale fut proposée par le modèle MWC. Une série d'événements a poussé Jean-Pierre Changeux et Jacques Monod à s'intéresser à l'hémoglobine, notamment le travail de thèse de Jean-Pierre Changeux sur la régulation enzymatique. Il étudiait une enzyme qui catalysait la transformation d'une molécule, son substrat, mais l'enzyme était aussi inhibée par une autre molécule qui ne ressemblait pas au substrat. Cet inhibiteur diminue l'activité de l'enzyme quand la réaction n'est plus nécessaire pour le métabolisme de la cellule, ce qui permet une régulation fine de l'activité cellulaire. Jean-Pierre Changeux avait trouvé des conditions permettant d'inactiver les sites de l'inhibiteur tout en laissant intacts les sites de substrat. Un symposium en 1961 dans une station biologique près de New York, le laboratoire de Cold Spring Harbor, fut l'occasion de faire le point. Jean-Pierre Changeux présentait ses résultats, démontrant que le substrat et l'inhibiteur avaient des sites distincts sur l'enzyme. En conséquence, il avançait l'hypothèse que ces deux classes de sites n'étaient pas directement en contact, impliquant une interaction indirecte par l'intermédiaire du corps de l'enzyme. Au même symposium, Jacques Monod et François Jacob créaient le terme allostérique pour définir ces interactions entre sites de spécificité différentes. Jean-Pierre Changeux et d'autres chercheurs avaient aussi observé que les enzymes sujets à cette forme de régulation manifeste toujours une courbe sigmoïde d'activité en fonction de la concentration du substrat. Un rapprochement pouvait donc se faire entre l'hémoglobine et les enzymes de régulation. À ce stade toutefois, le mécanisme envisagé pour les protéines allostériques restait dans le cadre d'un changement de conformation induit par les molécules liées telles que l'oxygène ou le substrat. Il a fallu attendre 1965 et un changement d'optique des auteurs pour arriver à une théorie novatrice. Jeffrey Wyman, expert en hémoglobine, s'est joint aux réflexions et par un audacieux saut intellectuel, le modèle Monod-Wyman-Changeux proposait un nouveau mécanisme d'action des protéines allostériques. Partant des deux états de l'hémoglobine, visualisés par Max Perutz, le modèle MWC propose que ces deux structures parfaitement symétriques, suffisent à elles seules à rendre compte de la fixation coopérative d'oxygène sans invoquer les formes intermédiaires et asymétriques imaginées par Gilbert Ader. Mais pour accomplir leur rôle, il faut que chacun des deux états soit présent, quelle que soit la concentration d'oxygène, comme vous pouvez voir sur ce graphique. C'est seulement le rapport entre les deux états qui varie avec la concentration d'oxygène. En l'absence d'oxygène, un des deux états est plus stable, mais possède une faible affinité pour l'oxygène. Cet état est désigné dans le modèle MWC par la lettre T. L'autre état,
possède moins de stabilité intrinsèque, mais une affinité plus forte pour l'oxygène. Cet état est désigné par la lettre R pour relâcher. T veut dire tendu. Le rapport des deux états est défini par la constante L. Les données expérimentales s'accordent avec la description théorique pour montrer qu'au fur et à mesure que l'hémoglobine lie l'oxygène, la haute affinité de l'état R renverse en sa faveur la distribution des deux états. On peut représenter le modèle avec une population de molécules distribuées parmi les deux états, mais aussi avec une molécule qui change d'état en fonction de temps. En revenant à la courbe sigmoïde, à faible concentration d'oxygène, chaque molécule passe la plupart de son temps sous l'état T, mais par moment, il y a un passage sous l'état R. Voilà, un petit passage sous l'état R. Voilà notre. Dans cette animation, les transitions sont ralenties 1000 fois. À forte concentration d'oxygène, chaque molécule reste principalement sous l'état R, mais avec des passages de temps en temps sous l'état T. Voilà, passage sous l'état T. Lorsque 50% des sites sont occupés par l'oxygène, chaque molécule passe à peu près 50% de son temps sous chaque état, comme vous pouvez voir ici. D'un point de vue plus général, le modèle MWC représentait un bouleversement majeur de paradigme. Auparavant, le modèle d'Eder proposait une série d'états induits par la fixation d'oxygène. Cette approche était à l'origine une interprétation dite instructive, où le changement de conformation d'hémoglobine est induit par la fixation d'oxygène et n'est jamais présent en l'absence d'oxygène. Le modèle MWC a recadré le problème en apportant une explication sélectionniste basée sur la stabilisation par l'oxygène d'un état préexistant. Le modèle MWC a donc coupé net avec le lamarckisme moléculaire représenté par le modèle instructif. Depuis Darwin, on a bien compris le pouvoir des mécanismes basés sur la sélection. Je voudrais maintenant me tourner vers une analyse de la portée des principes d'allostéorie en biologie. À travers ces démarches fondatrices, on s'est aperçu que les mécanismes allostériques avaient d'énormes implications pour la coordination des processus biologiques. Jacques Monod a même osé qualifier les principes d'allostéorie le deuxième secret de la vie, après la double hélice de l'ADN. On peut lui donner raison dans la mesure où le système génétique seul ne pourrait jamais produire d'organismes vivants, même aussi simples qu'une bactérie, sans un mécanisme d'ajustement à chaque étape pour compenser les fluctuations inhérentes aux réactions biochimiques. En d'autres termes, si l'ADN est la clé du génotype, l'allostérie est la clé du phénotype. Le génotype englobe le patrimoine génétique et le phénotype est l'ensemble des caractères observables. L'évocation du génotype et du phénotype nous fait entrer dans un domaine d'abstraction formelle qui ouvre un champ de réflexion très riche sur la question des signaux en biologie et débouche même sur la linguistique. Depuis la découverte du code génétique, le modèle linguistique s'impose, en tout cas au moins comme une métaphore. L'information génétique et les mots sont des signes dont le sens ou le signifié saussurien nécessite une interprétation, comme dans la sémiotique de Charles Peirce. Mais jusqu'à quel point les systèmes génétiques et linguistiques sont-ils liés? Cela restait vague. Dans les années 70, François Jacob débattait cette question avec Roman Jakobson.
Le linguiste renommé soutenait l'idée qu'une relation étroite s'imposait par une sorte de filiation. François Jacob tenait en revanche à l'idée que des fonctions analogues imposent des contraintes analogues. Quoi qu'il en soit, les analogies avec la linguistique peuvent encore beaucoup nous apprendre, bien qu'elles ne soient pas les seules. L'analogie musicale avec laquelle j'ai commencé est également pertinente puisqu'elle permet de rappeler qu'en biologie, de nombreux signaux peuvent être captés simultanément. Gènes et langues sont aux extrêmes des phénomènes biologiques, les gènes étant la propriété universelle des êtres vivants et les langues une propriété essentiellement humaine, du moins dans ses formes très développées avec une grammaire codifiée et un vocabulaire étendu. Mais les deux se ressemblent fortement dans leur capacité d'être considérées sous l'angle atemporel de la mémoire et du codage, aussi bien que sous l'angle temporel d'une activité sémiotique plus spontanée. En suivant ce raisonnement avec mon fils Dan, doctorant en lettres, nous avons retrouvé à peu près en biologie l'opposition saussurienne entre langue et parole. Le codage génétique correspondrait à ce que Saussure appelait langue. L'ordre des bases dans les gènes constitue donc la mémoire de l'espèce et la grammaire du code, c'est-à-dire le versant codifié du langage cellulaire. Pourtant, il existe aussi un versant dynamique et imprévisible qui correspond à ce que Saussure appelait parole. Ici participent les enzymes allostériques qui compensent les fluctuations intracellulaires et les récepteurs qui captent les signaux arrivant de l'extérieur. Le langage rejoint forcément les molécules dans le cerveau, où des phénomènes allostériques jouent aussi un rôle. Les mécanismes cérébraux sont très certainement basés sur des récepteurs à réponse rapide. Ces récepteurs fonctionnent seulement selon les mêmes principes d'allostérie, suivis par les enzymes de régulation à l'intérieur d'une cellule, principe établi avec l'hémoglobine. Toute cette gamme d'activités biologiques, depuis la croissance d'une bactérie jusqu'à l'appréciation d'un poème, est donc unie par des changements de conformation des protéines allostériques. Un exemple qui résume clairement l'aspect allostérique des protéines du cerveau est celui du récepteur de l'acétylcholine. Ce récepteur capte aussi la nicotine et je compléterai cette leçon avec ce sujet que j'étudie depuis une dizaine d'années. Pour tout transfert d'informations physiologiques, un signal arrive de l'extérieur d'une cellule. Ce signal est capté par un récepteur et ensuite est interprété par une action à l'intérieur de la cellule. On a très tôt établi la distinction entre l'agent qui apporte le signal, qu'on appelle l'agoniste, et un autre agent capable de bloquer ce signal, qu'on appelle l'antagoniste. Les études pionnières de Claude Bernard, entreprises dans cette maison, ont permis d'établir un premier exemple d'antagoniste, le curare, un poison à action paralysant. Son nom de langue amérindienne indique clairement la puissance de ce composé, curare voulant dire « là où il vient, on tombe ». Claude Bernard a démontré que le curare exerçait son effet d'antagoniste sur la synapse entre le nerf et le muscle, c'est-à-dire à la jonction neuromusculaire. Le véritable essor de la notion de récepteur est dû à John Langley en Angleterre et à ses recherches du début du XXe siècle. Approfondissant des observations de Claude Bernard, John Langley a travaillé avec un autre produit venu d'Amérique, la tristement célèbre nicotine. J'ai trouvé des photos charmantes des travaux de John Langley qui nous montrent sa créativité pour la recherche dans cette période de faible moyen technologique. Vous voyez que travailler sur un poulet anesthésié, comme il peut établir par le corps flasque et les yeux fermés.
Il a démontré que la nicotine agit, dans un premier temps, comme un agoniste classique, par une activation de la contraction musculaire qui soulève les pattes. Ensuite, l'application prolongée désensibilise le muscle et le corps redevient flasque. Cet effet de désensibilisation est un phénomène très répandu des récepteurs. Jean Langlais a pu démontrer que la désensibilisation était distincte des effets antagonistes du cureur. À cette époque précoce, Jean Langlais avait déjà bien cerné les trois piliers de la pharmacologie moderne. Activation par l'agoniste, inhibition par l'antagoniste et désensibilisation par l'agoniste. Plus impressionnant encore, Jean Langlais eut en premier l'idée d'un récepteur sous la surface du muscle, ou plutôt à la surface du muscle, sous la terminaison nerveuse. En refaisant ses expériences sur des muscles après avoir enlevé leur nerf, Jean Langlais a découvert que la cible de la nicotine et du curare se situait à la surface du muscle, à l'endroit où le nerf était précédemment attaché. Dès 1906, il a interprété l'ensemble de ses résultats en postulant la présence à cet endroit d'une substance réceptrice distincte de la substance contractile du muscle. Jean Langlais était membre de l'école de physiologie qui fleurissait alors à l'université de Cambridge, la même école qui a tant contribué aux recherches sur l'hémoglobine grâce à Gilbert Adair et bien d'autres chercheurs renommés. Cependant, la ressemblance fonctionnelle entre l'hémoglobine et le récepteur nicotinique n'a été comprise que récemment, car il a fallu étendre l'étude au niveau moléculaire des récepteurs nicotiniques. Mais de nombreux obstacles expérimentaux se présentaient quant à la purification de ces récepteurs hypothétiques. Dans ces conditions, le progrès dépend, comme c'est souvent le cas en biologie, du choix d'un système d'expérimentation capable de surmonter les difficultés techniques. Pour les récepteurs nicotiniques, la percée est venue lorsque deux espèces bien distinctes se sont rencontrées un beau jour en 1970 dans le laboratoire de Jean-Pierre Changeux à l'Institut Pasteur. La rencontre, sur un plan symbolique du moins, fut assez violente puisqu'elle a apposé un serpent venimeux à un poisson électrique. Le poisson, appelé gymnote, possède de chaque côté de la queue des cellules aplaties pouvant produire de formidables décharges électriques, ce qui permet à cette anguille de paralyser sa proie. L'organe électrique est formé d'un très grand nombre de structures qui ressemblent aux synapses de la jonction neuromusculaire. Pour les biochimistes, c'était donc une source très riche en protéines jonctionnelles. Les organes électriques étaient exploités d'une manière particulièrement astucieuse par David Nachmanson, avec qui Jean-Pierre Changeux a travaillé après son séjour à Berkeley pour apprendre ce système. L'isolement des cellules individuelles de l'organe électrique a permis l'enregistrement de réponses électriques aux agonistes tels que la nicotine ou le neurotransmetteur naturel, l'acétylcholine. Cependant, la purification du récepteur restait difficile, faute de marquage spécifique sur un système in vitro accessible à la biochimie. La recherche est restée à ce stade lorsque le pharmacologue taïwanais Ten Yuan Li est venu à l'Institut Pasteur pour rencontrer Jean-Pierre Changeux. Ten Yuan Li travaillait depuis des années sur la purification de toxines dans les poisons des serpents venimeux, notamment le bongar. Il avait réussi à identifier une petite toxine alpha qui bloquait la transmission neuromusculaire chez les vertébrés à la manière de curare. Cette toxine se fixait sur les récepteurs avec une affinité très élevée, produisant un blocage quasiment irréversible.
La suite de l'histoire est bien connue. Jean-Pierre Changeux demande à Tan Yuanli de lui confier de la bongrotoxine alpha pour l'essayer sur les systèmes qu'il avait développés in vitro à partir de l'organe électrique. En exploitant cette capacité de la bongrotoxine alpha de rester fixée sur le récepteur, Jean-Pierre Changeux et ses collaborateurs ont rapidement réussi à isoler le récepteur nicotinique. La recherche sur les récepteurs venait de décoller. Une image du récepteur nicotinique peut vous aider à visualiser sa structure. Le récepteur traverse la membrane cellulaire et il est composé de 5 sous-unités, 1, 2, 3, 4, 5, organisées autour d'un axe perpendiculaire à la membrane. La structure complète à résolution atomique n'est pas encore connue et le vue d'ensemble présenté ici est de Nigel Unwin, obtenu par microscopie électronique. Récemment, l'équipe de Titia Sixma à Amsterdam a déterminé la structure tridimensionnelle d'une forme soluble de la partie extracellulaire. Ces résultats ont confirmé la notion que les sites de liaison d'acétylcholine sont situés à l'interface entre les sous-unités. Visualisés de l'extérieur ou de côté, vous pouvez voir le neurotransmetteur occuper un site placé entre les sous-unités. Un canal traversant la membrane permet à la cellule de recevoir des signaux électriques en forme d'ions de sodium lorsque le canal est ouvert. L'action du canal est régulée par la fixation de la nicotine ou de l'acétylcholine naturelle ou l'agoniste naturel, l'acétylcholine, sur des sites qui se trouvent à distance, c'est des sites d'agoniste, qui se trouvent à distance de 20 angstroms du canal. Bien sûr, Jean-Pierre Changeux et ses collaborateurs ont compris que l'action à distance entre les sites de fixation et le canal impliquait naturellement un modèle allostérique. Ils avaient même postulé ce genre d'interaction avant l'isolement du récepteur. J'ai préparé une petite animation pour résumer l'ouverture du canal et le passage des ions. Vous pouvez voir les ions positifs ou cations à l'extérieur et la terminaison présynaptique. Les molécules d'acétylcholine arrivent par diffusion, ralenties ici 10 000 fois, et stabilise l'ouverture du canal qui laisse passer les ions. En parallèle aux recherches biochimiques, les avancées dans les méthodes de clonage de gènes et de séquençage de l'ADN dans plusieurs laboratoires à travers le monde ont permis l'identification d'une famille de gènes de récepteurs nicotiniques. Un des récepteurs neuronaux de l'acétylcholine nommé alpha-7 fut découvert à Genève dans le laboratoire de mon collègue et ami Marc Balivet. Les méthodes de la biologie moléculaire lui ont permis de caractériser ce récepteur sans passer par les difficiles procédures de la biochimie et de la purification. Il a simplement demandé à un autre collègue de Genève, le physiologiste Daniel Bertrand, d'injecter le gène pour le récepteur dans un oocyte batracien, c'est-à-dire un œuf de grenouille. Quand le récepteur est bien exprimé, on peut le détecter à la surface de l'oocyte et mesurer ses réponses aux neurotransmetteurs par des électrodes introduites dans l'oocyte. Le gène d'alpha-7 a en effet produit des récepteurs clairement nicotiniques avec une ouverture du canal permettant le passage de sodium suite à l'application de la nicotine ou de l'acétylcholine. De plus, l'ouverture fut bloquée par une molécule analogue au curare, ainsi par la fameuse bongrotoxine alpha. Le laboratoire de Jean-Pierre Changeux s'est alors associé à cette recherche et a proposé d'examiner des récepteurs produits par des gènes dans lesquels des mutations dirigées changer certains acides aminés dans le canal. Les nouveaux récepteurs étaient produits,
dans les oocytes et ont très bien répondu aux applications d'acide de choline, même beaucoup mieux que les récepteurs normaux. Ces expériences étonnantes ont amené Jean-Pierre Changeux à penser à certains de ses résultats intérieurs et il a anticipé des effets paradoxaux en suggérant à Daniel Bertrand d'appliquer un antagoniste classique aux récepteurs mutés. Une observation époustouflante l'attendait parce que l'antagoniste dans la famille des curares a déclenché l'ouverture de canal produisant une excellente réponse, presque aussi forte que celle de l'agoniste acétylcholine. Comment expliquer cette transformation inédite d'un antagoniste en agoniste? C'est au moment de l'analyse de ces mutations paradoxales que j'ai rejoint Jean-Pierre Changeux lors d'un congé sabbatique de l'Université de Genève. Nous nous sommes longuement penchés avec Jean-Luc Galzi sur ces mutations très difficiles à comprendre. Finalement, nous avons envisagé une explication simple basée sur le modèle MWC impliquant le type de changement déjà connu pour l'hémoglobine. Ce terrain nous était familier, mais pour arriver à l'explication, il a fallu rompre avec une idée reçue, la distinction entre agoniste et antagoniste. L'essentiel était de concevoir que ce que nous avions pris pour un antagoniste était simplement un mauvais agoniste, si mauvais qu'il provoquait normalement une réponse minuscule, trop petite à détecter. En plus, en se fixant au même site que le bon agoniste, il bloquait l'action de l'agoniste et se présentait de cette manière comme un antagoniste. Dans le contexte du modèle MWC, on peut comprendre la conversion de mauvais agonistes en bons agonistes grâce aux deux états T et R. Au repos, les récepteurs sont principalement sous l'état T, qui est caractérisé par le canal ionique fermé. Une petite fraction de récepteurs existe sous l'état R, qui est caractérisé par le canal ionique ouvert. On peut aussi dire de manière équivalente que chaque molécule individuelle de récepteur, en l'absence d'agoniste, passe l'essentiel de son temps sous l'état T, mais avec des brefs passages par moment sous l'état R, exactement comme nous l'avons vu dans l'animation des deux états de l'hémoglobine. L'arrivée de l'agoniste tire presque toutes les molécules du récepteur vers l'état R au fur et à mesure que la concentration d'agoniste augmente, ce qui génère une réponse coopérative. Justement, dans une population de récepteurs, on observe une courbe sigmoïde pour le nombre de canaux ouverts en fonction de la concentration d'agonistes, impliquant un phénomène similaire à la fixation coopérative d'oxygène par l'hémoglobine. Les mutations paradoxales diminuent la stabilité de l'état T, le canal fermé, ce qui facilite grandement la transition vers l'état R de canal ouvert. Parce que la transition est plus facile, un agoniste faible, considéré auparavant comme un antagoniste, produit néanmoins une très bonne réponse et la mutation transforme ainsi un mauvais agoniste en bon agoniste. De cette manière, ce modèle assez simple, basé sur deux états, a pu expliquer quantitativement des phénomènes complexes et subtils. Les implications pour la transduction du signal sont énormes. Pour le couple signal-récepteur, une modification au niveau du récepteur peut changer complètement la nature du signal. D'autres exemples similaires servent aussi à montrer que les molécules ne sont pas simplement des exercices d'école. Effectivement, on connaît des maladies génétiques, des récepteurs nicotiniques, dont l'origine est allostérique, tels que les syndromes myasthéniques congénitaux. J'ai examiné en détail un cas très instructif avec Jean-Pierre Changeux et mon collaborateur Olivier Chade, qui je pense est avec nous ce soir. Une mutation provoque une diminution de la stabilité de l'état fermé encore plus importante que celle observée pour les mutations paradoxales du récepteur d'alpha-7.
Pour ces récepteurs mutés, la transition vers l'état de canal ouvert est tellement facilitée qu'il y a très souvent des ouvertures spontanées du canal, c'est-à-dire des ouvertures en l'absence d'agonistes ajoutés. La fréquence d'ouverture spontanée est suffisante pour dérégler les synapses et provoquer une dégénérescence de la membrane postsynaptique, ce qui cause cette pathologie si désastreuse pour les enfants qui en sont atteints. Chaque ouverture laisse passer des milliers d'ions de sodium, mais aussi un nombre important d'ions de calcium qui, en quantité trop élevée, sont toxiques pour les cellules. Ces résultats apportent une autre confirmation de l'hypothèse du modèle MWC que l'équilibre entre les deux états est présent même en l'absence d'agonistes. Sur le plan clinique, il suffirait d'identifier un composé qui se lie au récepteur muté avec une affinité plus forte pour l'état fermé. Ce composé stabiliserait cet état et en conséquence supprimerait la pathologie. Pour la nicotine, en termes de problèmes de santé publique, nous n'avons toujours pas de parade efficace pour aider les fumeurs à s'arrêter. Une des difficultés est le lien privilégié entre les effets de la nicotine et d'un autre neurotransmetteur qui joue un rôle central dans les sensations de plaisir, la dopamine, comme ont pu le démontrer Jacques Lovinsky et ses collaborateurs dans leur laboratoire au Collège de France. Au-delà des récepteurs nicotiniques, quasiment toutes les classes de récepteurs présentent des propriétés allostériques. La transduction de beaucoup de signaux passe par une autre grande classe de récepteurs qui sont de petite taille, avec 7 hélices transmembranaires. Les récepteurs de cette classe sont également allostériques, comme notre modélisation récente du récepteur neurokinina, accomplie avec Jean-Luc Alzi et son équipe, a démontré, comme a mentionné M. Glowinski. De nombreuses maladies génétiques sont provoquées par des mutations dans les gènes de cette classe de récepteurs. Pour certaines de ces maladies, une activation spontanée des récepteurs qu'on appelle gain de fonction a lieu, comme nous l'avons observé pour les mutations paradoxales des récepteurs nicotiniques. Avec son équipe au Collège de France, Pierre Corvol a caractérisé des mutations de type gain de fonction pour le récepteur angiotensine 2, qui joue un rôle dans la régulation des muscles lisses. Les maladies liées aux récepteurs font l'objet de recherches pharmacologiques intensives. On estime que seuls les récepteurs à 7 hélices transmembranaires représentent presque la moitié de toutes les cibles de l'industrie pharmaceutique. Dans bien des cas, les pharmacologues cherchent un antagoniste. Mais comme nous l'avons vu, la notion d'antagoniste simple est dépassée. Il faudrait plus précisément obtenir un composé capable de pousser l'équilibre allostérique de l'état actif, l'état R, vers l'état inactif, l'état T. Ces produits existent et ils sont désignés par l'appellation agoniste inverse. Soulignant qu'un agoniste est un composé capable de faire basculer l'équilibre allostérique vers un état ou vers l'autre. Il existe d'autres systèmes de transduction du signal pour lesquels les modifications génétiques sont liées à des maladies, mais plutôt que les énumérer, je voudrais m'arrêter là pour tirer une conclusion générale. Pour le choix des sujets présentés, j'ai voulu montrer que le progrès scientifique dépend souvent de la formulation de modèles appropriés. Entre les extrêmes caricaturaux du physicien qui proclame ne pas avoir besoin des données parce qu'il détient une théorie suffisante, et celui de biologiste qui prétend se passer complètement de théorie parce que ces données suffisent, un juste milieu doit être atteint. Au fond, comme Goethe l'avait remarqué, il n'y a pas vraiment d'observation pure sans théorie sous-jacente. Et je pense que travailler avec des modèles explicites est toujours salutaire. Parfois, c'est même une source de grande satisfaction quand les prédictions sont en accord avec des expériences proposées sur la base des modélisations théoriques.
Pour clore, j'aimerais revenir sur la leçon inaugurale de Jacques Monod. Après avoir organisé ma présentation, j'ai relu sa leçon de novembre 67. Sa façon philosophique d'aborder les questions de biologie est toujours d'un grand secours, mais une autre chose m'a impressionné par sa pertinence en l'an 2003. Nous sommes tous préoccupés actuellement par le rôle de la science dans la cité et la compréhension qu'en ont nos concitoyens. Je n'ai pas le souvenir que ces sujets provoquaient un grand intérêt dans les années 60, surtout pas avant mai 68, mais Jacques Monod leur accordait déjà une place importante. Je terminerai en lisant quelques phrases qu'il a prononcées sur ce sujet. La science a donné à l'homme d'immenses pouvoirs, mais sa source dans la connaissance objective et dans l'éthique qui la fonde demeure obscure pour la majorité des hommes. D'où cette anxiété, cette profonde méfiance que tant de nos contemporains éprouvent à l'égard du monde moderne et de la science elle-même. Il est peu de devoirs plus clairs ou plus urgents aujourd'hui pour la communauté des hommes de science que de combattre cette moderne schizophrénie. Et comment la combattre, sinon par l'approfondissement de la connaissance elle-même, par l'extension constante de la méthode objective à de nouveaux domaines, par un enseignement enfin dispensé sans contrainte et sans sanction à des hommes libres. Tel était bien des origines, tel est encore le programme du Collège de France, autant que jamais exemplaire. Fin de citation. Il me reste maintenant à vous remercier tous chaleureusement de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder.